7h46, Sud Radio vous explique. C'est quoi le char du futur que la France et l'Allemagne vont produire ensemble? Le général Bruno Clermont, consultant défense, est avec nous. Bonjour mon général. Bonjour. Alors la France et l'Allemagne ont annoncé la signature, c'était pour aujourd'hui, donc ça va se faire, hein, de ce projet commun qui avait déjà été lancé, on va dire, autour de 2017, puis arrêté en 2019. Pourquoi? Alors vous avez raison, c'est une nouvelle signature, en fait, une signature de plus d'un projet qui en réalité a commencé dès 2012, qui a été relancé en 2017 dans un grand accord entre la France et l'Allemagne et qui a connu des difficultés. Donc c'est une étape importante qui va être passée, c'est une étape politique, un sujet qui est très compliqué d'un point de vue politique, industriel et opérationnel, et c'est les raisons pour lesquelles ça prend finalement aussi, autant de temps pour arriver à un accord entre la France et l'Allemagne, les deux principaux partenaires qui visent à remplacer leur char de combat, hein, qui est le roi de la bataille terrestre, hein, on le voit en Ukraine, l'importance des chars de combat, donc le char Leclerc pour la France et le char Léopard 2 pour l'Allemagne. C'est le plan de ces deux pays à un horizon qui recule de plus en plus avec les difficultés de trouver un accord. Mmh. Et aujourd'hui, on est plutôt à 2045-2050 qu'au début de 2040, comme c'était l'objectif initial en 2012. Bon, alors il y a deux éléments à voir ce matin à 7h48 sur Sud Radio, général Bruno Clermont. C'est déjà ce char en lui-même. On va dire que la puissance de feu de la prochaine génération, c'est un peu ce char. Il y a la guerre électronique, il y a l'intelligence artificielle, les armes laser, tout y est, oui, dedans, hein, c'est ça. Alors effectivement, alors il faut bien peut-être comprendre un point qui est important et qui complexifie la situation. C'est pas un char. C'est pour ça qu'on l'appelle Main Grand System Combat. C'est un système de combat dans lequel il y a un char, mais il n'y a pas qu'un char d'assaut comme le char Leclerc. Il y aura d'autres objets autour du char qui sont soit des objets robotisés, des véhicules terrestres robotisés, mais également des drones qui vont permettre de donner de la vision, de l'allonge à tout ce système qui va opérer non seulement connecté électroniquement entre ces différents objets, mais également connecté avec les autres objets du champ de bataille pour rentrer dans ce qu'on appelle le combat de demain, qui est le combat connecté, le combat collaboratif. Et effectivement, vous l'avez dit, il y a des nouveautés puisque ça va intégrer toutes les nouvelles technologies. Vous avez évoqué l'intelligence artificielle, bien sûr, avec qui va permettre des évolutions incroyables dans le domaine de la guerre, et puis des armes comme les armes laser, les armes à énergie dirigée. Donc c'est vraiment le système de chars de combat, le système de combat terrestre du futur pour deux armées importantes en Europe, qui sont celles de la France et celles de l'Allemagne. Alors, général, Arlette Chabot vient d'en parler dans son édito, le discours d'Emmanuel Macron, qui disait « Attention, l'Europe peut mourir ». Quand il dit ça, il dit aussi « Il faut qu'il y ait une entente militaire ». C'est un début, parce qu'on a du mal quand même à avancer sur cette cohésion militaire européenne. Alors vous avez raison, si on regarde strictement les questions d'armement, qui sont les questions de base industrielle, de capacité de production des Européens, en 2023, 68% des acquisitions de matériel militaire ont été faites aux États-Unis. Alors qu'on a une industrie d'armement qui est un petit peu éparpillée, je reconnais, entre les différents pays, mais qui est capable de produire 100% de nos matériels militaires. Donc la question, c'est effectivement de générer une dynamique financière avec des budgets suffisants et industriels, avec des partenariats qui permettent aux États d'être plus efficaces en travaillant ensemble, de manière à se passer de l'armement américain, dont certains pays européens ont développé une addiction. Et en particulier, c'est un point important, c'est le cas de l'Allemagne, pays à laquelle il ne reste finalement que les chars de combat, avec un industriel majeur qui s'appelle Rheinmetall, qui est très puissant et qui a fabriqué, parce que l'Allemagne a fabriqué des milliers de chars Léopard 2, alors que la France n'a réussi à en faire à peu près quelques centaines pour la France et très peu de pays à l'export. Donc c'est au sein de l'Europe que l'on veut puissance, il y a vraiment la question de ce réarmement industriel, ouais, et de la relation, ouais, compliquée entre la France et l'Allemagne, qui ont des intérêts parfois convergents, mais aussi parfois divergents. Bon, merci pour ces explications et effectivement ces avancées technologiques qui laissent imaginer des perspectives incroyables. Général Bruno Clermont, consultant défense, ce matin à 7h51 sur Sud Radio.